musique, chanteur de musiques actuelles, guitariste, n'importe quoi, on va tout ouvrir. Moi, je fais aucune distinction. On va mélanger toutes ces techniques et ces esthétiques. C'est pour ça aussi que j'aime bien l'idée de penser votre groupe comme un chœur. C'est un grand chœur. Et avec ce chœur, chacun a ses spécificités dedans. Voilà, donc la musique va faire appel à des trucs très rock par moment. Et puis en même temps, il va y avoir les grandes orgues qui vont faire des choses très contemporaine ou plus classique. Il va y avoir les musiciens traditionnels, on va pas leur demander de faire complètement autre chose avec les instruments. On va se rapprocher aussi de ces musiques-là, etc., dans le chant aussi. Voilà, donc je pense qu'il faut partir avec ce projet tous en laissant un petit peu à la porte ces idées esthétiques et être très ouvert, apporter chacun ce qu'il a. C'est ça, c'est compris, on enlève la note, tout simplement, et on est dans l'articulation, et on fait circuler des énergies comme ça. On n'est pas obligé de faire des trucs en continu, on peut saisir au vol des choses, d'accord? C'est une vraie impro vocale, quoi. Moi, c'est Sarah, je suis en chant en musique actuelle. J'ai fait du lyrique un peu à mes débuts, les années lycée. Et après j'ai arrêté et je fais de la musique actuelle. Moi c'est Vincent, donc je suis baryton, je suis en chant lyrique ici. J'ai jamais fait de musique actuelle, ce genre de choses. Par contre j'ai fait des études d'accompagnement au piano, donc classique. Du coup j'ai touché un peu au clavecin. Et j'ai fait un troisième cycle de théâtre au conservatoire aussi à Rennes-Nouvelle-Aquitaine. Céline, du coup je fais de la harpe celtique et du chant traditionnel, mais à la base j'ai une formation classique, donc j'ai fait de la harpe classique et du chant en maîtrise. Moi je m'appelle Thomas, je suis pianiste claviériste et je gravite plutôt autour du funk, de la fusion et du jazz. Prélever, enregistrer, décrire, creuser, numéroter, transcrire, photographier, comparer, etc. Chacun à sa vitesse, ne se soucie pas pour le coup des autres. Moi c'est Solène, je fais de la flûte traversière irlandaise et de la bombarde, du répertoire traditionnel breton et irlandais. Principalement classique et contemporain, je fais beaucoup de baroque et j'ai fait aussi pendant mes études des projets avec de la musique actuelle. Du coup je m'appelle Samuel aussi. Je suis batteur, donc j'ai une formation au conservatoire.
mais je me suis assez vite dirigé vers les musiques actuelles. Un peu de tout, du funk, du rock, de l'électro, jazz. Moi je m'appelle Justine, je fais de la flûte traversière, classique à contemporain, j'ai fait un peu de traverso en musique ancienne. Et j'ai fait, je suis très intéressée par la musique contemporaine, improvisation libre, etc. Fa, pro, zé, dé, photo, i. Là c'est deux là, c'est perdu ça. Alors, j'ai pas eu de grande surprise parce que j'avais fait des essais quand même en septembre, à partir d'impro, sur des règles que je donnais, des accords, des choses comme ça, assez libres, qui étaient juste pour voir comment ils s'appropriaient des choses. Et il y a plutôt un bon niveau, avec quelques irrégularités, des gens qui sont plus expérimentés, on va dire, que d'autres. Mais grosso modo, on a quand même un bon niveau et qui permet de faire à peu près tout ce que j'ai envie de faire. Le seul problème, c'est que comme ils ne sont pas professionnels, ils prennent plus de temps pour assimiler des musiques. Donc je ne peux pas non plus donner beaucoup de musiques très difficiles, parce qu'on va avoir un problème de temps. Mais ils seraient capables de les jouer, je pense. Je pense qu'ils seraient capables à peu près de jouer tout ce que j'imagine. Oui. Ouais. C'est bien, c'est bien, c'est bien. C'est bien. Vous sentez vraiment comment occuper l'espace. Pensez aussi que le public est à droite et à gauche. Samuel m'a demandé de travailler avec vous jusqu'à la création donc au mois de juin. Et donc pour vous accompagner aussi pour tout ce qui est travailler dans l'espace, bouger. Donc évidemment, moi je ne suis pas prof de danse, donc on ne va pas faire des pas de danse. C'est de travailler sur des énergies, travailler sur des occupations de l'espace pour qu'on raconte cette histoire qui est quand même assez dense, assez forte. Et je trouve assez beau que ce soit vous, votre génération aussi, qui l'a racontée. Par rapport à ce qu'a écrit Maëlys sur cette actualité qui nous paraît un peu éloignée, mais qui en même temps elle nous raccorde tous un peu à ce qu'on vit au quotidien. Quoi. Jeter, lancer, se rapprocher, frôler, se heurter, se tirer, se réunir. S'en mêler, s'imbriquer, se mélanger, s'agripper, soulever quelqu'un. Ouais. Soulever, oui, une, soulever, trois, oui, soulevez-le, plus haut, oui. Toi hier, avec ceux de la plaine, assis sur leur char, tu souriais, les dents très blanches, la mitraillette contre la hanche. Des abrutis, des assassins. Tu sais ce qu'ils ont fait ici. File-moi une cigarette. Tu as participé aussi? J'ai déserté, avant la nuit. Va voir ceux qui travaillent là-bas. Je dois maintenant partir d'ici. Tu dois leur dire ce que tu sais. Ils m'arrêteront sur le champ. Ils prouveront les crimes de guerre. Ah bon? La guerre n'est peut-être pas déjà un crime? Figure-toi que la guerre a ses lois. Il y aurait donc des crimes dans le crime, des crimes à l'intérieur du crime?
Elle a ses règles, elle ne donne pas tous les droits. Discours de type sous les coupoles, qui parle depuis les hémicycles. Dans la guerre, tout est permis, c'est la violence dans open bar. Ça fait des likes sous les stories. Paroles d'activistes sur le terrain. User d'armes proscrites, attaquer les civils, bombarder les hôpitaux, les écoles, les couloirs humanitaires. Les exécutions sommaires, ce sont des crimes de guerre et ils seront jugés. Quelle confiance dans la justice des hommes. Et cela t'inspire confiance? Qu'est-ce que tu fous avec eux? Je les guide, dans la zone. Je leur trouve des bagnoles blindées, des couvertures et des sandwichs. Je suis leur fixeuse, ils me payent bien. C'est dangereux de rester ici. Pars avec moi, Lady Fox. Je m'envole dès que tout sera fini. C'est une scène de crime. La ferraille, les alliances, le sang, les lambeaux. Ce sont des traces, ce sont des preuves. C'est quoi votre place de jeunes gens d'un pays en paix qui parle de la guerre? Héloïse, elle me racontait, elle est allée voir un peu des costumes. Tout d'un coup, elle prend des treillis. Elle s'est dit, mais c'est pas possible. Il y aurait presque comme une indécence et puis ce serait trop de les mettre en treillis sur le plateau. Donc c'est ça qu'il va falloir qu'on travaille. La musique nous apporte de la distance, déjà, ça c'est sûr. Elle nous apporte de la distance, mais en même temps, elle nous apporte des éprouvés. Enfin, on le sent quand on réussit bien les trucs. Il y a des moments, on a des sensations assez fortes comme ça, de fragments de son, puis des choses qui sont plus constituées, qui sont comme des souvenirs de la musique qu'il y avait. Parce que ça, la question de la musique, elle est très présente dans le livret. Hein. On sent qu'il y a eu un son rock qui a circulé dans cette ville, et puis il a été écroulé, mais il revient comme par réminiscence. De Bourgogne, cœur millénaire, nickel, muraille, palais public, cité de briques. Homeland! Ma zone. Yes. Ton plan est tatoué sur mon épaule. C'est un escargot de Bourgogne. J'ai vu ton boom, les tours poussées dans les vieilles cours, les usines atteindre le fleuve, la banlieue recouvrir la plaine, le métro gagner les faubourgs. Et le pont de fer soulager ton vieux pont de pierre qui tombe. Mais ça, c'est vachement bien, ça. Et la phrase d'après, c'est partout où on se cache, où on se guette, où on se cherche dans le noir, où on trafique des cigarettes, où on se caresse bouche ouverte, dans la pénombre. Et même là, dans la pénombre, je trouvais ça un peu trop long par rapport à qui tombe. Tu vois, je me dis, si on veut faire des effets de... Donc, tu vois, après, il y a tes catacombes. C'est en dessous les bombes, tu vois, il y a... C'est la fin de ce... C'est la fin d'une première strophe. Qui doit faire un décrochage, voilà. Ok, donc mais ça j'ai compris. Toutes les deux, c'est plutôt une information sur la manière dont moi j'ai pu imaginer cette Macha, comment elle débarque sur scène et comment elle dit qui elle est et comment en fait elle présente le territoire qui va être le territoire de la pièce, enfin, le territoire de l'opéra, l'espace de l'opéra, c'est il y a cette ville et on est dans les marges de cette ville, et cette ville elle est là et c'est la sienne, c'est le Homeland. Homeland, ma zone. Ton plan est tatoué sur mon épaule. Ah, Homeland, ma zone. T'as payé sur mes lacunes. Ah, Homeland, ma zone. Ton plan coule dans mes veines. Ah, Homeland, ma zone. Catastrophe disparue.
de tes infrabasses. Tu m'as appris à marcher. Tu m'as donné ta musique. Piano, guitare, harpe électrique. J'étais la voix des Lady Fox. Au Blue Morning, à l'Apollo. J'ai traîné dans tes arrières-salles, tes garages et tes égouts. Tes catacombes. Homeland, ma zone. Ton cadastre a disparu. Ils sont empoisonnés. Tu pues la fosse et le charnier. Macha, qui est jouée par Sarah, une jeune fille du coin, qui est fixeuse, qui vient guider les enquêteurs, leur montrer où c'est, etc. Oui, qui est un peu la personne locale qui accompagne et qui est évidemment pour que sa guerre soit dénoncée, etc. Mm. Et puis il y a Drago, qui est joué par Martin, qui est un jeune soldat qui connaît bien Macha pour avoir été au collège avec elle. Avoir créé un groupe de musique d'ailleurs avec elle, ils en parlent. Toi et Vincent, vous représentez un couple, Pierre et Nora. Enfin, on comprend qu'ils sont un couple, mais c'est pas important. C'est pas ça qui compte. Ce qui compte, c'est qu'ils dirigent cette équipe d'enquêteurs et qui est représentée en général par le chœur, qui est fait par les instrumentistes, tantôt, par vous aussi. Tout le monde cherche quelqu'un. Tout le monde. Tout, ça c'est un peu scandé. Tout le monde. Ouais. Tout à fait, scandé. Les villes ont une étrange résistance. Elles se couchent sous le feu et se redressent après les bombes. Les plantes poussent sur les éboulis. Elles s'enracinent. Les enfants jouent dans les décombres. Voilà. Les gamines dansent dans les cratères. Une mémé en robe de chambre traîne son cabas dans les gravats. Très bien. Je pense que tu peux faire un petit hiatus, hein. Une mémé en robe de chambre. Se souvenir. Je veux être noir quand viendra l'heure de compter les corps. Les rapports. Je veux être noir quand viendra la nuit qui tombe si brutalement dans ce pays. La dernière fois.
T'aide dans le, la direction de ta voix. Ok. Le chien. C'est une espèce de disque qui tournerait très ouais. très lentement. Essaye de faire ça. Le chien. Voilà. Et si tu te balades avec ta voyelle, tu vas y arriver. Avec ma Le plein de différents. Okay. Le chien. Le chien. Voilà. En fait, c'est vraiment l'idée de travailler avec ta tête et pas avec tes oreilles. Ok. Mitraillette. Les gens comme des lapins. Lapins, lapins, lapins. Ceux qui roulaient à bicyclette. Ceux qui poussaient les charrettes. Ça rigole bien, langue rose, yeux vitreux, des fils de pute. Ça va très vite, oh mon colonne. Les bois, femmes au sous-sol, enfants pendus par les pieds, vieux battus. L'objet du jour, c'est de s'approprier tranquillement ce lieu, sans être pris au milieu des répètes et tout, donc anticiper en quelque sorte les répètes de juin pour la scéno, la lumière et le son. Donc on va faire des tests de son, parce qu'ici c'est quand même un espace particulier, et en plus avec le public en bifrontal, il faut quand même pouvoir... maîtriser les larcènes, enfin tous les. Et que le public entende et une reconstitution de l'image sonore assez juste. Donc ça se prépare parce que on ne sait pas comment réagit l'espace. Et idem pour la lumière, et on va faire des essais pour le sol. Pour la scéno, on va essayer de la terre. Donc tout ça, c'est pas mal de pouvoir le faire en amont. Quoi. Voilà. D'habitude, pour ce genre de création. On est en résidence dans le lieu où on va jouer pendant longtemps, quoi. Comme là, on n'a que 5 jours dans l'espace et qu'il est particulier, j'ai préféré prendre ces 2 jours pour anticiper le truc, quoi. Les essais du sol, avec la lumière. voir déjà si notre piste de tourbe au sol fonctionne. Et si c'est convaincant dans le lieu et avec la lumière, quoi. On va voir. Moi, je vais continuer là-dessus. Je vais essayer de mettre la lumière derrière pour voir ce que ça ressemble. Ouais. Je vais essayer de travailler sur ce mur-là aussi. Et puis, d'ici demain, il faut également que j'essaye le haut. C'est faisable. Hein. Tu vois, les perches, elles sont... elles se glissent jusque-là. Ouais. Après, elles ne glissent plus. Ouais. Si on avait une chance de les faire glisser pour mettre au bon endroit les tubes, tu vois. Ouais.
Je pense qu'il faut qu'on le fasse dans cette zone-là, à partir de... genre au milieu, enfin au milieu. En plein milieu, quoi. C'est pas vraiment au milieu. Le premier tiers, là-bas. Ouais, ok. C'est perturbant pour la justesse. Dans les muscles. Nickel. C'est un endroit qui donne envie de faire plein de choses. Qui est assez particulier à travailler aussi. Il y a quelques contraintes techniques qu'il impose, avec lesquelles on va devoir travailler. Notamment d'ailleurs les changements à vue, je suis en train de le dire. Ouais, changements à vue, coulisses à vue. Il y a des piliers au centre du plateau. C'est un espace vraiment rectangulaire en longueur. Donc voilà, il va falloir composer avec. Mais ouais, pas apporter comme ça, tout normal, tu mets comme ça sur le côté, là. Attends, comme ça, on va faire. Tu vois, genre, ça fasse... Voilà, parce que ça fasse un volume. Attends, il aura... Donc regarde, vas-y, toi, tu le mets toi-même. En train de déclencher un nouveau style, là. Voilà. Ouais. Le peut changer de sexe en fonction de son humeur. Après, dès que tu fais un peu froid... Tu sais, le truc qui pendouille, là, tu pourras te la gripper, là. Comme ça fait un truc qui pendouille, là. Ouais. Et après, ça, c'est la totale. Oh, putain. On dirait des poules. On dirait des poules. Mais t'as des poules sur la tête. Non, ça va le faire. C'est trop bien en lumière, ça va le faire. Voilà. C'est comme ça, c'est moche, mais avec la lumière, ça va le faire. Allez, regarde-moi. Vous êtes inquiet, vous? Non, on n'est pas inquiet. Non, on n'est pas inquiet. Ah. Bon, je suis pas inquiet. Putain, oh, non. C'est lourd. Oui, jusque-là, ça se tient. Mais encore. Ah, mais ça, envoyez, il n'y a pas de bonne. Mais bien que ça va être sur Insta. Ça me fait rire que Samuel, il répond en MDR. Je vais faire une story. Anissa, de monter le bras, même de, voilà, tu le montes même dans le champ, et puis tu le redescends. Pierre, pareil, vous avez le temps. Si à un moment donné, ça te tire dans les bras, ben t'en relâches un, puis tu relâches l'autre, et puis tu remets. Ça continue à vivre, d'accord? Voilà, mais faites-le à votre rythme. Et surtout, attention aux limites, de temps en temps, tu vérifies si tout est en place et tout ça. Tu regardes si t'es pas en retard. Et du coup, voilà, fais confiance à tes camarades. Couplet 3. Faut que tu le chopes, ça, tu l'as pas chopé encore. Quand tu arrives là, on avait dit que tu parles plus aux gens, tu parles aux choses, tu parles aux murailles, tu parles aux éléments. Voilà, t'es là. Et regarde des choses loin, regarde le velours qui est là, regarde un truc qui est là, regarde un truc qui est là. Et loin là-bas aussi. C'est du slam, hein. C'est vraiment du slam, c'est du rap, c'est vraiment un truc qui est assumé dans le texte. Hein. Ouais. Et il y a vraiment une question de position du corps qui va vraiment aider le chant. Quand tu es de dos, moi je te voyais de dos là, et en fait je n'avais aucune énergie pour mon dos. C'était comme ça. C'est un truc tout bête, soit t'écartes les pieds, ce que tu veux. Oh oui, on n'est pas inquiète. On n'est pas inquiète. On n'est pas inquiète. Ça va bien se passer. Oui. Alors il y a des tas de manières de vivre posteriori ce qu'un personnage comme ça aurait vécu. Mais je pense qu'il faudrait qu'elle ait les yeux complètement écarquillés de la terreur de ce qui lui est arrivé avant. Mais moi, j'ai l'air, quand elle arrive là-bas, elle le fait. Hein. Voilà, ah, mais là, elle ne l'avait pas. D'accord, elle l'a eu après. D'accord. Donc pour moi, ce n'était pas assez illuminé. Ouais. Et je me demandais aussi, il faudrait qu'elle sorte ici. Qu'elle fasse une vraie sortie ici. Oui, et re-rentrer après. Et après, elle revient en harpiste. D'accord. Ouais, je me suis posé la question. Parce que sinon, non, mais t'as vu, c'était laborieux. Hein. C'est dit la même chose avec Héloïse. Et puis ils attendent beaucoup trop. Non, ils m'aiment son entrée. Ouais. Même son entrée, en tant qu'à... Moi, je l'ai pas vu arriver, en fait. Elle sort, et quand elle arrive, elle s'est changée de... Ouais. L'inventaire des destructions. Hier, c'était Irpine Pucha. Des cadavres, on m'a lié derrière le dos, jeté dans des puits.
crâne brisé, tes os tordus. L'os, 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 garde, garde la mémoire, mémoire des traumatismes. Souviens-toi. C'est le moment où je me... où je regarde, mais où je laisse les interprètes s'approprier la chose. Maintenant qu'ils ont tout. J'ai passé le cap du moment difficile qui est celui où il faut transmettre le maximum de choses pour que ça tienne. Donc je me sens un peu maître d'œuvre dans le sens où je regarde les travaux. Donc c'est assez agréable. Mais bon, la vraie détente pour moi, ça sera évidemment au lendemain de la première. Les blouses, ça donne envie d'en faire partout, mais sur la cadeau, ça va être un peu trop, parce que du coup, les blouses. Ouais. Les outils. Alors attends, tac, qu'est-ce que je voulais te montrer? Voilà, Tomb Raider. Tac. Eugénie Evrard, moi c'est elle qui m'avait inspiré. Tu connais, hein? On est à combien de temps là du spectacle? Et bah, oh, c'est trop bien! 42 minutes! Non, j'adore. 52! C'est tellement long, j'adore! Moi je peux pas faire ça! Ils sont en paquet. 53 minutes! Dis-moi si t'aimes bien! Et je n'ai personnellement rarement été aussi stressé de toute ma vie. Je ne sais pas pourquoi. J'ai le trac. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Un peu hâte quand même! Oui, carrément! Il y a énormément de choses à gérer. La partition est très dure. On a envie de lui faire honneur aussi, donc du coup il y a beaucoup de pression, mais ça va être super. Je veux de l'espace, de la lumière, une ordre où il est peur, une ordre du Manitoba. Je veux la neige, la cascade crue. Qui porte loin. Je veux que ma voix sonne et tous les chants de la plaine. Suivre la piste sauvage, approcher la renarde de blanche, celle qui frôle les clôtures. Celle que nul ne capture, le renard en liberté, celle qui ne connaît que la lune, la petite renarde nocturne qui toujours échappe aux hommes. La petite renarde.